Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te partager une stratégie incroyable qui va te permettre de générer énormément d'argent. Là, ce sont quelques coupons que j'ai déjà eu à valider avec l'astuce en question. C'est une astuce qui marche super bien. Et l'avantage avec cette astuce-là, c'est que ce n'est pas une faille. Donc, ça ne peut pas être détecté par l'algorithme, ce qui fait que ça va durer des semaines, à des mois, voire même des années. Donc, si tu veux tout savoir, si tu veux vraiment bénéficier de l'astuce à 100%, tout ce que tu as à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et si tu es nouveau, si c'est ta première fois de voir les vidéos de cette chaîne, je t'invite également à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, ici, l'astuce se trouve dans la section e-sport. Donc, ceux qui ne savent pas où se trouve la section e-sport, vous allez juste cliquer sur menu. Une fois que vous cliquez sur menu, là, vous allez cliquer sur e-sport qui est juste là. Donc, après avoir cliqué sur e-sport, vous allez venir cliquer sur e-sport virtuel. Une fois que vous cliquez sur e-sport virtuel, là, vous allez juste défiler comme ça. OK? L'astuce se trouve dans le jeu PS. OK, là, je vais cliquer dessus. Sur eSport, là, je vais cliquer sur PS20 Penalty. OK? PS20 Penalty. Là, je clique dessus. OK. Après avoir cliqué dessus, là, nous avons quelques matchs qui sont en cours et nous avons des matchs qui ne sont pas encore commencés. Là, ce match-là a déjà commencé. Donc, ici, ce qu'on va faire, on va juste cliquer sur le match. On va voir le résultat de ce match avant de placer sur le prochain coupon. Donc, ici, vous voyez que V2 a jusqu'à quota 2. Et le match a déjà commencé. Nous allons voir le total. Si c'est pas encore bloqué, nous allons directement miser sur le total 2. Ici, total 2, on peut prendre plus de 2,5. Ça va rentrer. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait cela. Donc, je vais d'abord prendre total plus de 2,5. Vous voyez que la cote a déjà chuté. Vous voyez que la cote a déjà chuté. Donc, ici, je vais placer les 100 000 francs. Espérons qu'ils vont accepter que ça soit placé. Là, je place. Le prix total plus de 2,5 de l'équipe 2. La cote a grimpé. J'ai mis encore. Donc, après avoir placé ce pari, je vais t'expliquer un peu pourquoi est-ce que j'ai fait cela. Vous voyez qu'ils ont déjà mis un but. Ils ont déjà marqué un but. Et voilà, mon pari a été refusé. Mon pari a été refusé. La cote a chuté jusqu'à cote 1,0,35. Donc, je vais t'expliquer un peu comment ça se passe. Nous allons attendre un peu le résultat de ce coupon, ok? Nous allons attendre le résultat de ce coupon et ensuite je vous explique pourquoi est-ce que j'avais fait cela. Donc le match, nous allons attendre qu'il fasse à 2,5, ils sont déjà à 2. Ils sont déjà à 2. Donc moi j'avais pris plus de 2,5. Donc au prochain coupon, je t'explique un peu comment ça se passe. Et je t'ai laissé aussi le code promo 24AB. Dans la description, c'est un code promo qui a beaucoup d'avantages aux paris sportifs. Que ce soit OneisBet, BetWinner, InWin, ce code promo a vraiment plusieurs avantages. Okay? Donc, tu peux utiliser ce code promo là pour bénéficier de tous les avantages disponibles. Donc là, on va patienter que le match se termine. Ici, on a pris plus de 2,5 de l'équipe 2. Donc, on patiente et on attend. Ok, la cote était de cote 1,55, mais ça a chuté jusqu'à cote 1,035. Là, on va juste patienter que le match termine. Où est le match? Oh là là, désolé, j'ai cliqué sur le match. Okay, là, nous allons venir voir. On va voir si les résultats s'afficheront ici. Bon, bref, c'est pas trop grave. Donc, avant de perdre le temps, ici, je vais venir vous expliquer. Donc, quand vous allez voir ce genre de match, quand vous allez voir ici V1, cote 1,80, V2, cote 2, donc ce que vous allez faire, vous allez automatiquement cliquer sur le match. Après avoir cliqué sur le match, vous prenez toujours l'équipe qui n'a pas le favori. OK? L'équipe qui n'est pas favorite là, vous prenez toujours cette équipe-là et vous allez prendre total de l'équipe. OK? Donc, je vais descendre. Et ici, vous allez cliquer sur total 2. C'est l'équipe 2 qui n'est pas favorite. Donc, je prends toujours sur l'équipe 2. Donc, une fois que je prends sur l'équipe 2, là, je vais juste défiler et je vais prendre total plus de 2,5. OK? Je prends total plus de 2,5. Et ici, je vais placer ma mise. Je vais placer 150 000 francs. OK? Je place 150 000 francs et je place ma mise. Je vais te montrer comment est-ce que j'ai placé. Et je vais mettre la vidéo en pause et nous allons attendre le résultat de ce coupon avant de miser sur un autre. Là, je vais dans historique. Donc ici, tu vois que les 150 000 ont été très bien placés. Et ici, j'ai pris total de plus de 2,5.
Ok, donc je reviens sur le match. Commence dans 30 minutes, dans 30 secondes plutôt. Donc on va juste patienter. Prends le temps de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Active la cloche de notification pour ne pas rater de contenu pareil. Donc là, on patiente. Ça commence dans 20 secondes. Ok les gars, donc le match a déjà commencé. Donc ici, nous allons juste So, patienter un the peu. final act of the Ok. final. Nous allons patienter voir les résultats de ce coup point. Et ensuite, nous allons partir. Nous allons aller choisir un autre événement qui n'a rien à voir avec le total de 2 ou le total de 1. Mais là, nous avons besoin du résultat de ce coupon pour aller miser sur l'autre coupon. Okay? Donc là, nous allons juste So, patienter the un peu. first penalty. Donc là, on va patienter. Oh, what a save! C'est le total 2 qui nous intéresse. Je vous rappelle que le Keeper's total eye on 2 qui the ball nous and makes intéresse. it a Donc great là, on save. patiente. Nous allons voir les résultats finaux. Donc, le total de plus de 2,5. Là, ils sont déjà à 1. Ok? Là, Up ils sont déjà steps, à 1. Mr. Et nous Dependable. allons nous baser de ce résultat pour pouvoir valider notre but. That's how it's done. He made the keeper Là, on va commit. juste patienter. Donc, Good ça reste à penalty. 2-2. Completely wrong footed the keeper. Prends le temps de t'abonner, mon gars, si ce n'est pas déjà fait. Abonne-toi à From toujours one passer une behind. notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Keeper's read that beautifully. L'équipe 2 va tirer encore. C'est still focused le total 2 qui nous Fantastic intéresse, save. rappelle. Shanghai Le total 2 qui nous SIPG intéresse. looking Donc to on va extend their patienter. advantage. Donc là, ils ont raté. Donc on va patienter encore. Ok. Le And a wonderful save. total 2 qui nous Juventus intéresse. trailing by one. Une fois que les 2,5 sont faites, là, nous allons nous baser sur ce Save! résultat pour aller Keeper's placer done notre coupon. brilliantly. Là, That's l'équipe a 2 est lovely à stop 2 maintenant. Là, ça his reste teammates 1-2. proud of that one. Shanghai Okay. SIPG have the chance to pull away here. Good penalty, Donc, just là, ils sont à steered 2. it the other Ça way. reste 1-2 maintenant. And that Nous allons doubles nous baser their de ce lead. résultat pour aller placer notre deuxième coupon. Donc, l'équipe 2 vient de marquer 1-2 également. C'est une astuce qui marche super bien. Ok, là, vous voyez que l'équipe 2 a vraiment fait plus de 2,5 dans le match. Ok? Là, nous allons aller sur le prochain match d'abord. Ok, le match est déjà terminé. Là, je viens sur le prochain match, je clique dessus. Ok, après avoir cliqué dessus, ici, vous allez choisir l'équipe qui n'est pas favorite encore. Ici, vous voyez que V1 n'est pas favorite. Ok, V1 n'est pas favorite. Donc, vous allez juste défiler comme ça. Cette fois-ci, vous n'allez pas prendre à total, vous allez prendre l'handicap. Ok, vous allez prendre handicap. Une fois que vous prenez handicap, vous allez prendre handicap 1,5 de l'équipe 1. Donc, vous voyez que la cote a vraiment chuté. Donc, je ne vais pas prendre le risque de prendre cela. La cote a vraiment chuté. Sinon, c'était cote 1,29, 1,30. Mais pour ce match, la cote a trop chuté. Donc, quand vous allez voir que handicap 1,5, c'est de cote 1 à cote 20 à cote 30, vous pouvez prendre cet handicap-là. Ça va rentrer à 100% des cas. Donc, ici, je vous partage le résultat du coupon que j'ai placé dans la vidéo. Voilà le résultat du coupon que je viens de placer dans la vidéo. Donc, tu vois que le coupon a été validé. Donc, l'équipe 2 a fait plus de 2,5. C'est une astuce qui marche super bien si tu suis vraiment toutes les instructions que j'ai données dans la vidéo. Donc, c'est tout pour moi. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un like, commente la vidéo, partage et abonne-toi pour ne pas rater la prochaine vidéo. Ah, ciao.